mes petits amis, ici Artemia. Voilà, alors on est sur Mordicus Crippus pour le 7e épisode. Je n'ai pas mis mon timer, je sais même pas où il se trouve. Alors attendez que... qu'est-ce qu'il y a eu là? Ok, je viens de mettre le timer pour... les 15 minutes, parce qu'autrement ça fait trop. Je suis donc, je le rappelle, comme vous allez pouvoir le constater vous-même, je suis donc en hardcore. Et je voudrais pas me faire peur à moi-même. Je ne me rappelle pas où j'en étais. Tout ce que je vois, c'est que ben, il va faire nuit. Cette blague. Bon, j'ai un lit apparemment, donc je me rappelle plus du tout ce que j'avais fait. Alors, je vais vite mettre le lit ici. Et mince, pourquoi je peux pas? Ah oui, d'accord. Oh, je ne sais plus où est mon village, je ne sais plus où je me trouve. En fait, je sais plus où je suis, quoi. Parce que mes petits amis, ben, je me rappelle même pas ce que j'ai fait la dernière fois. Je pense que j'ai dû aller visiter ce temple, me semble bien. Alors je vais me coucher vite fait parce que j'ai pas envie de me faire croquer. Et je vous dis à tout de suite. Bon, alors voilà, nous voilà donc là. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où est mon village, comme je vous le disais. Oh là, et j'ai des petits lags. De quoi ça vient? Je n'en sais rien. Oh, oh, oh. J'entends déjà une bestiole. Oh là, mais j'entends du bruit là. Il doit y avoir une grotte là-dessous. C'est pas normal autrement. Comment dire que il faudrait peut-être que j'aille me vider les poches quelque part, mais je sais pas où je suis. Ah, il faut que je retrouve où est mon village. Oh là là, il devait pas être dans le biome neige, c'est pas possible. Punaise, mais je suis parti où moi? Dans quelle direction? Oui, parce que je viens de reprendre la partie, mais je ne sais pas du tout. Quelle direction j'avais prise et je n'ai honnêtement je n'ai pas regardé la vidéo précédente pour savoir où j'en étais. Ben voilà, ça m'apprendra de faire le fifou. Faut que je retrouve mon beau village quand même, hein. Ça va pas le faire autrement. Je vais essayer d'aller par là-bas. J'ai l'impression que je vois une un monticule avec des flammes, avec une flamme. Ça doit être moi qui a fait ça. Oui, alors, est-ce que... est-ce que... ça veut dire que mon village est par là, ou que mon village est par là-bas? On va essayer d'aller par là-bas. Oh là là là, j'ai l'impression que je me suis embarqué dans un truc. Ouais, faut que j'attende aussi que le jeu y charge. Ça fait honnêtement très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. Que je n'ai pas joué du tout sur l'ordinateur. Là j'entends une chauve-souris donc à mon avis. Ah là. Oh ça va pas, tu m'as fait peur toi. C'est parce que ça crie. Oh là, et puis oui, oui, il y a du monde en dessous, apparemment. Donc, si je suis venu, je suis venu comme ça. Parce que j'ai mis une torche par là. Bon. C'est moi qui suis monté de là-dedans? D'accord. Ouf. Mais je vous dis pas la frousse qui vient de me prendre là. D'un coup, j'ai cru que j'ai le cœur qui s'arrêtait, Lyon. Bon, on va aller par là. Hein. Je sais pas du tout. Et ce punaise de village. Ah, là-bas, je vois une flamme. Est-ce que ça serait ça?
c'est quoi ça? C'est de la cobble. Il y a un trou? Non, il n'y a pas de trou. Bon, là-bas, j'ai une torche. Ah, il est là. Oh, ouf, mais je me sens mieux parce que j'ai bien les poches pleines quand même. Voilà, comme vous pouvez voir. Et j'aurais pas voulu perdre ce que j'avais, quoi. Ben, ils sont où, mes PNJ, moi? Ben, ça, alors. Et les PNJ, vous êtes où? C'est mon emplacement, ça? Ouais. D'accord. Oui. On va mettre ça à cuire. Alors, ça, déjà, à cuire. Ça m'embête de mettre du colle parce que j'ai pas grand chose comme colle. Hein. En fait, tant pis. Je vais aller chercher du bois et je vais me faire du charcoal. D'abord, pour filer les poches. Bien, alors, alors, je tiens à préciser que tout ce que j'ai là, c'est beaucoup de choses qui m'ont... que j'ai eu grâce, vous avez vu, au don, c'est pas un donjon, c'est, comment ça s'appelle, ça je vais les mettre de côté, elles sont pas toutes, elles sont neuves, au temple qu'on a trouvé dans la jungle, c'est un peu le bordel dans mon coffre, mais bon. Ah ben j'ai 4 coffres aussi. Ah ben voilà, on va pouvoir les poser ces 4 coffres. J'ai 3 flèches. Pourquoi 3 flèches? On ne sait pas. J'ai pas grand chose. Hein. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert les patates empoisonnées. Si quelqu'un arriverait à me le dire, ça serait bien sympa de votre part. Parce que moi, je ne sais pas. Ça existe apparemment. La gunpowder, la mienne, elle est bleue. On va savoir pourquoi. La rotten flèche, ça ne se cuit pas. Des lingots de fer, on va les mettre là. Alors j'espère évidemment que tout le monde a passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va paraître. Quel temps il fait dehors, voir un peu si j'ai le temps d'aller me chercher. Alors, on va se faire peut-être, ça c'est quoi? C'est une stone ward. C'est-à-dire une épée en stone. Bon, pour l'instant, ça devrait suffire. Je vais mettre le fer, on va le foutre là-dedans, tout ce qui est un peu précieux. D'accord. Parce que, pour l'instant, je ne sais même pas si je suis habillée. Ah ouais, non. Oui, alors, si vous me posez des questions pour savoir... pourquoi j'ai des chaussures protection 1, blast protection 1, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi et l'anglais, ça fait 4. C'est tout simplement que j'ai eu un zombie qui m'a lâché les chaussures. Mais par contre, je ne trouve plus mes petits PNJ. C'est bizarre ça. Ils ne sont pas tous morts quand même, mes petits gars. Il était plein de PNJ, ce petit village. C'est quoi ça là-bas? Si, il y en a un. Il y en a encore un, moi. Qu'est-ce que tu échanges, toi? Ah, j'entends des bruits. M'a foutu la trouille. Toi, tu as 15 poulets contre une émeraude. Toi, ma belle, tu fais quoi? Oh, ah oui, mais carrément. Ah oui, mais tu m'en donnes une protection de 2 aussi. Oui, ok. Et toi? Une émeraude contre 10 biscuits. Ouais, sur ça, le contraire, à la limite, je comprendrais. 12 poissons cuits, ouais, contre une émeraude. Voudrait-il dire qu'il faut que j'aille pêcher? Est-ce que j'ai pris ma canne à pêche? Yeah! Donc, on va essayer de pêcher un petit peu. 12, je ne m'étonnerais. Ça m'étonnerait que je pêche 12 poissons. Excusez-moi. Il y a du bruit chez moi.
Allez, vas-y, vas-y, petit poisson. Pichot, petit poisson. Avant qu'une sale bête me saute dessus. Bon, bah écoute, hein, il n'y a pas de poisson, tant pis pour moi. Allez, hop, on ira chercher les poissons après. Là, je vais vite aller chercher du bois. Est-ce que j'ai une hache? Oui. Oula, mais c'est quoi tous ces trous d'eau là? Alors, j'espère que tout le monde va bien, personne n'est malade. J'ai aussi une petite pensée, bien sûr, pour tous ceux qui n'auront pas pu passer Noël, parce que ben, les parents, des fois, ont des difficultés, hein, c'est la vie, malheureusement. C'est bien dommage, mais donc, j'ai quand même une petite pensée pour ceux qui ne peuvent pas passer Noël ou qui ne peuvent pas faire un petit, ne serait-ce même un petit repas un petit peu plus amélioré. Voilà. Je leur dis quand même, même s'ils n'ont pas pu passer Noël, ben moi je leur dis quand même bon Noël à vous, portez-vous bien. Tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez être heureux et que si vous n'avez pas pu passer de bonnes fêtes, eh bien qu'un jour vous aurez vraiment les fêtes que vous méritez. Voilà. Alors, il va peut-être y avoir un peu de bruit parce que je pense que mon mari est en train de rentrer à la maison. Donc évidemment, il va m'appeler pour savoir ce que je fais, comme d'hab. Alors, voyons voir. On va essayer encore peut-être de pêcher encore un peu. Mais problème, ça se couche. Bon, donc on va pas pêcher là. J'ai pas envie de mourir. Bon. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que je sais pas où est ma maison. Évidemment, c'est normal. Hein. Parce que si je savais, ce serait trop bon. Où est ma maison? C'était pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Oh là là, en plus les portes qui sont vertes. Bon, ça va, je l'ai foutu où ma maison, moi? Bon. Je pense que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Oh, elle est où ma baraque? Je vais mourir. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là. Hop! Allez, vite qu'on se couche avant de faire apparaître les monstres. Oui, parce que je le rappelle, je suis en hardcore. Et en hardcore, si je meurs, la partie se termine. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les environs? Est-ce qu'on aurait des squelettons? Ah mais c'est pour le coup que je sais même pas où j'ai trouvé ce fameux temple. Parce que, ah voilà, là il y a des torches, mais c'est pas celle que j'avais tout à l'heure. Ah ben si, puisqu'il me semble que c'est le champ de cobble. Donc si c'est le champ de cobble, ça veut dire que le fameux temple, il est par là-bas. Il faut que je regarde où je mets les pieds, moi, parce que je vais finir par me tuer là. Donc je pense que c'est par là-bas. Qui est le fameux temple. Parce qu'apparemment, sous le temple, on va aller voir le creeper là-bas, tiens. Histoire de lui faire un câlinou. Ou de se faire exploser la tête, à la limite. Tu viens, Cricri? Tu viens me voir? Est-ce que j'ai quelque chose? Oh, non, j'ai pas grand-chose, moi. Oh, merci. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil ce câlinou. Vous avez vu un peu? Bon, là, je suis pas très en position de faire le couillon, là. Parce que s'il y en a un qui vient, il m'a me... Non, il n'y a rien d'autre. Je pensais qu'il y aurait plus de charbon. Non, il n'y en a pas. Comment que je fasse gaffe? Parce que là, il y en a un qui arrive. Oh là, ça lague, mes amis. Excusez-moi si ça lague comme ça. Voilà. Alors, mon fils qui arrive, évidemment. Oh, ça lague. Punaise.
Fais voir, qu'est-ce que c'est? Qui Oui, mais j'en ai pour. Il reste encore une petite minute. Ah ben même pas, il reste encore 15 secondes, mes amis. Donc je vais vous laisser là. Et je vais vous dire à bientôt. Et désolé du dérangement. Et désolé d'avoir été dérangé par mon lardon. Par mon quart de crouton. Parce que mon demi-crouton, c'est mon homme. Je vous dis donc à tous joyeuses fêtes. Et même à ceux qui n'ont pas pu faire la fête, je vous souhaite quand même d'être heureux. Et d'être heureux, et voilà quoi. Allez, au revoir à tous. J'arrête donc le timer et j'arrête la vidéo. Au revoir tout le monde. Oui, Alex.